Ok, donc bonsoir à tous. J'ai la lourde tâche d'être de, le dernier talk de, la, de ces deux merveilleux jours de Voxy de Luxembourg et d'essayer de vous, de vous tenir réveillé euh, pour vous parler un petit peu de Quantique. Alors, je ne vous rassure pas du tout, ça va être un petit peu hardcore. Euh, mais après, on va aller boire des verres, donc du coup, ça ira mieux. Euh, du coup, merci à tous d'être venus aussi nombreux dans la salle pour découvrir un petit peu le Quantique. Euh, merci à de Luxembourg de... Fanny, si tu veux, il y a des places là. <laughs> J'aime faire ça à mes étudiants aussi quand ils arrivent en retard, en mode euh, bonjour, vous faites quoi euh, Non, du coup, merci à Voxy de Luxembourg de m'avoir accepté. Merci au sponsor d'être présent pendant ces deux jours. Merci à tout le monde d'être venu. Et du coup, on va parler un petit peu de quantique. Euh, D'abord, je vais me présenter qui je suis. Je suis Laurent Grangeau. Je suis Solutions Architect chez Google Cloud. Donc, je fais du cloud. Euh, la musique derrière, je ne sais pas ce que c'est depuis tout à l'heure. mais euh, Je fais plein de choses. Je donne des cours euh, à des étudiants, je donne des cours sur Open Classroom, je fais des meet ups euh, Docker, Kubernetes, Serverless de Paris, euh, je fais beaucoup de conférences. Euh, bref, je fais pas mal de choses. Et euh, le pourquoi de comment de... j'ai fait cette, cette conférence-là, euh, c'est parce que moi, j'aime bien le quantique et j'aime bien creuser le, les choses à ah, On va voir euh, comment ça marche. Alors. Gros disclaimer, je ne suis pas physicien, je n'ai pas fait d'études de, de physique quantique, euh, donc je connais le, la, le quantique comme les gens peuvent le connaître. J'ai juste creusé un petit peu plus et vous allez voir que ça a explosé en vol, euh, pas de souci. Alors aujourd'hui on va parler quantique, euh, j'aime troller aussi, donc on ne va pas parler de, cette, de ce magnifique appareil, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un appareil qui coûte à peu près 1500 balles et qui fait des ondes quantiques pour vous guérir. Apparemment ça guérit même le, le cancer, donc apparemment c'est magique. Non, voilà. Euh, je, on va pas parler de ça non plus. Euh, pour ceux qui sont qui ont été en France, il y a eu un bad buzz en, avec euh, la sortie d'une crème qui était à base de, de crème quantique pour euh, je sais pas quoi. Euh, être, tout paraître jeune etc. Donc c'était cool. Non, non, on va vraiment parler de quantique euh, pur et dur, on va vraiment parler de, de ce truc là euh, que vous connaissez tous. Et ça, c'est uniquement la tour de refroidissement, la puce étant en dessous, euh, et vous ne la voyez pas encore. Alors pourquoi euh, Pourquoi on va parler de quantique Parce que euh, donc je travaille chez Google et chez Google, il y a 3-4 ans on a euh, annoncé qu'on avait atteint la suprématie quantique. Alors c'est quoi la suprématie quantique? C'est euh, enfin avoir un calcul qui dure beaucoup moins rapidement que les calculs classiques. Typiquement, on a trouvé des calculs qui duraient quelques heures plutôt que d'avoir quelques dizaines d'années ou voire quelques dizaines de milliers d'années. Donc on a, la, 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 on a atteint la suprématie quantique, c'est cool. Euh, pourquoi aussi on parle de quantique Parce que OVH, euh, mes amis d'OVH ont annoncé cette année, euh, en début d'année, qu'ils avaient acheté leur premier ordinateur quantique. Euh, Candela. Et euh, du coup, euh, voilà, euh, moi ça m'a fait un petit peu tiquer en mode ah oui, il bah, y a quand même des gens qui s'intéressent en quantique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cet ordinateur-là? Euh, L'année dernière, on en a remis une couche. On a encore de nouveau atteint la suprématie quantique sur un autre type. De, de calcul quantique euh, et du coup même voilà, principe je me dis euh, franchement euh, là il y a plusieurs choses qui s'enchaînent sur le quantique ça devient super intéressant euh, on a la startup Alice et Bob je ne sais pas si vous connaissez euh, en France qui s'occupe aussi euh, de faire du quantique alors eux leur spécialité vous allez voir dans le, dans le talk c'est d'essayer de, de corriger les erreurs quantiques qu'on peut avoir on parle de Quantum Error Corrections et je vais vous en parler un petit peu plus tard et enfin euh, on a créer en France la maison du Quantique, donc le lab Quantique, où il y a plein, plein, plein de gens que vous connaissez, il y a OVH Cloud, il y a Alice Sebov dont je vous ai présenté, dont je vous ai parlé, il y a EDF, Thales, etc. Donc je me suis dit, franchement, peut-être 2024, c'est l'année du Quantique, donc autant s'y intéresser, et autant regarder, parce que peut-être que dans mon métier, moi, plus tard, soit les clients vont, se, vont être intéressés, soit moi, je serai intéressé pour faire du Quantique. Donc du coup, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne. Avant de parler de quantique, parce que je vais faire pas mal de choses, de pas mal de, de parallèles, je vais vous euh, revenir un peu sur les sources. Avant d'avoir cette magnifique euh, puce CPU que vous avez euh, à l'écran, on est passé par euh, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est le schéma du premier euh, Intel, Intel 4004 qui est sorti il y a 50 ans maintenant. Euh, et avant d'avoir ça, on avait avant ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un additionneur euh, complet. Donc on a A et B et la somme avec une retenue qu'on peut transmettre de, de, de transistor en transistor. Et enfin à la base on a euh, le fameux transistor. Donc PNP, NPN. PN, PN, pour ceux qui ont fait comme moi de l'électronique, c'est juste différents composants. Le principe c'est quoi On a un émetteur en bas, on a un collecteur en haut, on a une base à gauche. Si la base est alimentée, ça laisse passer le courant. Si la base n'est pas alimentée, ça laisse pas passer le courant. Du coup les gens, euh, avec plein de recherches, si je vous parle de Shannon, si je vous parle de Boulle, ça doit peut-être vous parler, ont fait des recherches et ont prouvé que, par exemple Shannon a prouvé qu'on pouvait coder l'information sur deux bits, n'importe quel type d'information, donc du coup on a fait le transistor et on a commencé à faire de l'informatique. Je reprends la définition de Wikipédia, qu'est-ce qu'un bit C'est l'unité de valeur la plus simple dans le système de numération. Nous pouvons prendre que deux valeurs, soit 0 soit 1. Transistor, j'en ai parlé, soit 0 soit 1. On laisse passer le courant, on laisse pas passer le courant. Généralement, par convention, c'est 3,3 volts, ou 1,5 volts, ou 5 volts. Mais en tout cas, quand vous avez du courant, enfin de la tension du coup, euh, on a un 1, sinon on a un 0. Okay Là on est tout en bas, transistor, on a commencé à faire des choses. Maintenant on va remonter, euh, on a un transistor, on a des 0 et des 1, on doit savoir les manipuler. Donc on a commencé à faire des portes logiques. Donc la porte la plus simple, c'est un fil. On a 0 en entrée, on a 0 en sortie, on a 1 en entrée, on a 1 en sortie. Super, c'est cool. On a inventé la porte non. D'accord Donc euh, vous avez ceux qui ont fait l'électronique. Qui a fait l'électronique euh, dans la salle Ah, quand même, la moitié, le, la moitié de la salle. Donc ça vous, ça vous dit quelque chose, le tableau de vérité, euh, avec l'algèbre de boule. Super. Donc euh, en entrée on a 0, en sortie on a 1, en entrée on a 1, en sortie, on a 0. Évidemment. On en a fait plein, je vais passer rapidement sur les portes logiques, le principe c'est pas non plus de, de vous montrer tout ça. On a la porte et, on a la porte ou, on a la porte non et on a la porte non ou, on a la porte ou exclusif, et on a la porte non ou exclusif. Du coup, ça fait pas mal de choses, on a commencé à jouer avec. Et euh, si comment vous avez fait de l'électronique, de, de vous avez commencé à, à regarder des choses comme ça. Moi, ça m'a fait des cauchemars hein, quand j'étais plus jeune. Bascule D, on a commencé à mettre en parallèle, en série, euh, plein de portes et à faire des choses. Donc la bascule D, c'est vous avez une, une fréquence d'horloge, donc euh, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et par rapport à l'entrée D, on a euh, la sortie Q, en haut à droite là, qui sort quelque chose. Et la, la sortie non Q, qui sort l'inverse de la sortie Q. Donc on commence à avoir des chemins un peu plus complexes. Euh, bascule JK. D'ailleurs, je viens d'apprendre ce que c'est JK, ça veut dire Jack King en anglais, donc Valet-Roi. Même principe, on a une fréquence d'horloge, on a Jack, on a King, on a une, une sortie. Bref, on commence à faire des choses. Mais avec tout ça, on ne peut toujours pas faire euh, d'informatique, on ne peut toujours pas faire de euh, CPU. Du coup, c'est là où euh, est arrivé des choses un peu plus complexes. Comme, bah, je vous ai dit, hein, l'additionneur le, le, complet. Donc on a une entrée A et une entrée B. Euh, la somme de, de ces entrées-là avec euh, la retenue carry in, carry out. Donc on peut commencer à les enchaîner. Et donc vous avez le tableau de boule. Euh, tableau de vérité à côté, vous pouvez faire les calculs, ça fonctionne très bien. On a commencé à brancher plein de choses en parallèle et euh, on a commencé à créer ce qu'on appelle euh, en, en français l'UAL, l'unité d'arithmétique et logique, en anglais l'ALU, ALU. Et c'est la première chose où on peut faire des additions, des soustractions, des euh, divisions et des multiplications. Euh, donc vous voyez un schéma logique et l'ALU c'est vraiment le cœur euh, d'un microcontrôleur avant d'avoir un CPU et après d'un CPU. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir des choses un peu plus complexes. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation, on commence à avoir la première euh, implémentation d'un processeur. Donc, là, c'est le premier processeur Intel 4004 qui est sorti il y a 50 ans. On retrouve l'ALU euh, en centrale et euh, des registres, des accumulateurs, etc. Donc, on peut faire des additions, des soustractions. C'est super. Petit aparté euh, j'ai un collègue qui s'appelle Olivier Hubert qui, est, euh, qui travaille chez Ivan. Et euh, qui, sait, comme tout le monde, s'est embêté pendant son Covid et a commencé à regarder des, euh, des vidéos d'une un, personne qui créait son propre CPU. Et il a voulu reconstruire son propre CPU from scratch. Donc il est parti des résistances et des transistors. Et il a commencé à créer son propre CPU. Et euh, tout ça pour dire qu'il en a fait un talk qui s'appelle Construire son processeur 8-bit from scratch, qui est disponible sur YouTube. Et comme ça a tellement plu, il a fait euh, la deuxième session qui était Comment construire son GPU euh, 8 bits. Donc, il explique comment on crée euh, un CPU. C'est ultra intéressant si vous ne connaissez pas ou si vous avez oublié comment on crée un, un CPU. Euh, ça part de la base même principe et ça monte jusqu'à l'assembleur et pourquoi on a de l'assembleur. Bref, du coup, euh, en termes de classique, on est là-dessus. Donc, vous voyez, on est parti de transistor, on a enchaîné des portes logiques et ensuite on a euh, des processeurs et on commence à faire des choses dessus. Maintenant. C'est là où je vais peut-être perdre des gens, et c'est là où je suis vraiment désolé que vous, que vous soyez là. On va parler de, euh, de quantique, et on va rentrer dans le dur, et je vais essayer de faire une analogie par rapport à ce que je vous ai présenté. Donc on a un qubit, euh, qubit qui veut dire quantum bit, euh, même principe, définition de, de Wikipédia. Euh, c'est un système quantique à deux niveaux qui représente la plus petite unité de stockage d'informations quantique. Euh, les deux niveaux sont notés, alors le, le, le symbole, la barre et le petit chevron, c'est ket, ça s'appelle ket0 ket et q. Ket 1 c'est un état de base de qubit et ça fait l'analogie d'un bit euh, qu'on a dans le classique. Donc, du coup, c'est cool. Et si on commence à vouloir représenter au niveau mathématique, euh, qu'est-ce qu'un quête 0 et un quête 1, on peut le représenter sous forme de matrice. Donc, on a une matrice 1, 0 pour ket 0 et 0, 1 pour ket 1. Pourquoi je parle de ça Parce que vous allez voir après euh, qu'on va faire des, des, des multiplications de matrices et pour prouver que ça fonctionne. Avec un qubit, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce qu'on appelle des superpositions d'états. Donc on n'a euh, généralement pas soit que 0, ou, enfin, soit que 4 0, soit que 4 1. On a euh, 4 de phi qui est, qui est égal à alpha de 4 0 plus bêta de 4 1. Avec alpha et bêta, la probabilité de tous les états que vous pouvez avoir euh, au niveau quantique. Et euh, qui respectent des choses comme euh, euh, absolu alpha carré plus b absolu de bêta carré égal à 1, etc., etc. Ça, c'est facile. Si je vous perds maintenant, euh, les maths qui sont derrière, elles sont ultra hardcore, juste pour prouver ça, en fait. Vous allez voir plus tard que c'est encore plus hardcore. Mais en tout cas, c'est ça, moi, qui m'intéresse, en tout cas, euh, c'est de rentrer dans le dur et d'essayer d'expliquer pourquoi on fait du quantique aujourd'hui. Euh, en termes de propriété des qubits, on a aussi l'intrication quantique. Ça veut dire qu'on peut euh, intriquer deux qubits, ça veut dire les mettre dans les mêmes états, ce qui fait que si on en mesure un, on sait automatiquement l'état du second. Alors, ça, c'est ultra intéressant parce que euh, la, la, la transmission d'informations, entre guillemets, je vais me décroder guillemets, si on met un qubit d'un côté de l'univers et l'autre qubit de l'autre côté de l'univers, si on en mesure un, l'autre, on sait exactement dans quel état il est. Ce qui fait qu'on va commencer à pouvoir paralléliser les traitements. Puisqu'on connaît l'état d'un qubit, donc on connaît les états de tous les autres qubits intriqués, et donc du coup, on ne va pas regarder l'état de tous les qubits, mais on va en déduire l'état de tous les qubits par rapport à un qubit. Donc, vous voyez déjà que potentiellement, on peut par cascade aller vachement plus rapidement. Ça, c'est une autre propriété des qubits. Euh, et maintenant, vous allez me demander comment on fait un qubit C'est quoi un qubit, en fait Alors, un qubit, aujourd'hui, euh, on n'a pas de, de, une façon de représenter un qubit. On a plein de façons différentes. On a des électrons, des photons, des ions, il y, en a, il y a plein d'autres choses. Euh, et généralement, sur les électrons, les photons, les ions, on prend une propriété de, ce, de cette représentation physique. La plus simple à comprendre, c'est le photon. Le photon est polarisé. Soit il est polarisé verticalement, donc la petite vague là que vous voyez en vertical, soit il est polarisé horizontalement. Si vous avez déjà fait comme moi des études en SVT, vous amusiez à tourner la petite bague là dans le microscope pour euh, avoir différentes couleurs quand vous regardiez. C'est la polarisation de la lumière. Et en vrai, euh, si vous regardez sur votre téléphone, sur votre laptop, il y a un film qui fait que la lumière est polarisée. Si vous enlevez ce film-là, en gros, votre laptop, votre écran, il est complètement blanc et personne ne voit rien. C'est le principe des, des écrans 3D, euh, sur, ça joue sur la polarisation, bref. Euh, donc, du coup, verticalement, on peut représenter ça comme quête euh, comme 0 et horizontalement, comme quête 1. Au niveau des électrons, on a aussi ce qu'on appelle le spin, qui est, euh, je me des guillemets parce que c'est un mouvement angulaire, c'est pas vraiment un mouvement angulaire, mais c'est assimilé mathématiquement comme un mouvement angulaire, qui génère euh, une propriété magnétique, qui, si elle est dirigée vers le haut, on a euh, un quête 0, vers le bas, un quête 1. Donc on, on peut jouer sur ces propriét propriétés-là pour représenter un qubit. Okay du coup, ça c'est la représentation d'un qubit, il y a plein de choses différentes. Et du coup, là, on est vraiment sur la base, encore une fois, et on va commencer à monter en gamme. Le gros problème des qubits, c'est que euh, un qubit, ça se euh, décohère, ça se dit ça en français Bref, il y a de la décohérence quantique euh, à la moindre perturbation électromagnétique. C'est pour ça que vous avez ces énormes frigos-là pour, pour refroidir euh, au niveau du, le plus froid que vous pouvez avoir dans l'univers. Je crois que c'est un kelvin au-dessus des zéro absolus. Euh, pourquoi Parce que la moindre perturbation, le qubit va être dans, une, dans, un, dans un état décohérent et donc du coup on ne va plus pouvoir savoir dans quel état il est. Euh, pourquoi je vous parle de refroidissement Parce que la température, c'est la mesure de l'excitation d'un électron ou d'une représentation même euh, euh, physique. Et donc du coup, euh, plus ça bouge, plus la température est élevée. Je ne parle pas de chaleur, je parle de température. Donc, 1 millikelvin, on est dans des états où les électrons sont quasiment immobiles. Donc, du coup, on peut jouer sur le spin en haut ou en bas, on peut jouer sur les choses. Le moindre neutrino qui passe à travers ce genre de choses, on va être dans la décohérence quantique parce que le neutrino va interagir avec l'électron et ça va exploser en vol. C'est pour ça que quand vous voyez des choses type euh, on a 2 qubits, 3 qubits, 5 qubits, en vrai, ce pas 2, 3, 5 qubits, mais c'est des centaines, voire des milliers de qubits puisqu'on veut être sûr que statistiquement, la mesure qu'on prend sur tous ces qubits-là représente une, une statistique qui est, beaucoup, enfin, qui est quasiment sûre à 99%, que un qubit représente un quête euh, zéro. Le gros travail qu'on fait en ce moment sur le quantique, et donc Alice et Bob le font, c'est ce qu'on appelle la Quantum Error Correction, où on est en train d'essayer de stabiliser le plus possible les qubits pour pouvoir ne pas avoir de décohérence euh, quantique. Euh, sur Alice et Bob, il parle de qubits de chat, référence au chat de Schrödinger, euh, soit vivant, soit mort, qui sont résistants à ce qu'on appelle le bit flip. Le bit flip, c'est on passe de quête 0 à quête 1, ou de quête 1 à quête 0, et résistant en phase flip, où on change de phase au niveau du qubit. Et ça, on va en reparler tout à l'heure. Euh, typiquement, Cocorico, Alice et Bob, euh, français, euh, détient le record mondial de la résistance au, au bit flip. Aujourd'hui, ils tiennent 10 minutes. Ça veut dire qu'ils ont 10 minutes de fenêtre pour faire des calculs d'algorithmiques de, euh, quantiques. Plus que 10 minutes, ils sont dans un état décohérent, ils ne peuvent pas savoir ce qui va se passer derrière. Donc ça veut dire que si vous avez des algorithmes qui prennent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de minutes, ne pas avoir euh, des qubits résistants au bitflip, ça part en sucette. C'est pour ça qu'on multiplie le nombre de qubits euh, aujourd'hui. Typiquement, j'avais lu dans un papier que si on avait deux puissances 100, donc 100 qubits, on pouvait euh, représenter la totalité de l'univers. Aujourd'hui, euh, Google, on est à 72 qubits. Donc on va se dire, oh là là, mon Dieu, euh, on est quasiment euh, prêt à simuler l'univers. Alors non, c'est faux, hein, évidemment. Dans ces états-là, euh, il faudrait des millions de qubits pour pouvoir simuler l'univers. 72 versus des millions, on est vachement long. Bref, en tout cas... Ça c'est encore de la recherche euh, fondamentale, on essaie de stabiliser le plus possible les qubits, puisque si on stabilise les qubits, les qubits durent plus longtemps, donc on peut en mettre moins, et donc du coup on peut, on peut faire des plus de calculs. <laughs> comme, euh, comme en classique, on, il existe des portes logiques quantiques, d'accord euh, La plus simple étant la porte identité. Le principe c'est quoi C'est que euh, donc, si vous avez 4 0 à gauche, qui est représenté par un 1 et 0 en matrice, au milieu, vous avez la représentation mathématique de la porte identité, donc 1, 0, 0, 1, qui se représente à droite comme, euh, comme le grand i dans un carré. Si on fait euh, les calculs mathématiques, donc si on applique la porte identité sur 4, 0, donc on a 1, 0, 0, 1 fois 1, 0. Je vous ai remis les calculs. Euh, moi, j'avais oublié tout ça. Hein. Ça date de terminale ou de, de bac plus 2. Donc j'ai dû refaire les calculs. Et donc, vous voyez que on, si on prend 4, 0 à 1, 0, on retrouve bien avec un 1, 0. Euh, la question qu'on m'a posée euh, récemment c'est, ok d'accord c'est pas de souci euh, sur les mathématiques mais comment on reproduit euh, physiquement une porte logique alors la réponse ça va pas vous plaire c'est qu'aujourd'hui la porte logique physiquement elle n'existe pas c'est quoi une, euh, on envoie des faisceaux euh, de, de micro-ondes pour changer soit le bit du qubit soit la phase du qubit et donc du coup elle n'existe pas en termes physiques c'est juste des faisceaux de, de micro-ondes et la seule représentation aujourd'hui qu'on peut avoir d'une porte logique, c'est juste sur un graphe euh, comme un oscilloscope où on voit un changement de phase qui passe de, de, de 1 à moins 1. En gros. Donc le plus simple, c'est la porte identité. Évidemment, il en existe d'autres. Euh, la porte non, okay, c'est l'inverse euh, de la porte et euh, de la porte identité. Donc on a 4 -0 qui est 1,0. Si on applique la porte non, on se retrouve avec 0,1. Donc on a flippé le bit qubits 0 on est passé à quête 1 c'est ça c'est quête 1 elle s'appelle aussi la porte poly x pourquoi parce que poly c'est quelqu'un qui a fait des calculs extrêmement poussés en mathématiques sur des Hamiltoniens. pareil là j'ai en vol qui a prouvé tout ça en fait et vous allez voir que ça va être important pour la suite et je pense que la, la porte la plus importante aujourd'hui euh, Cocorico aussi c'est un français c'est la porte de Hadamard. je vous ai remis les calculs mathématiques il n'y a pas de souci Qu'est-ce qu'elle fait la porte de Hadamard Elle met juste euh, en état de superposition quantique euh, un qubit. Donc je vous en ai parlé soit quête 0, soit quête 1. Si on applique sur quête 0 la porte de Hadamard, on se retrouve dans une, dans une superposition d'état entre 50% de quête 0 et 50% de quête 1. D'accord Donc ça, ça va être la première implémentation concrète d'une porte logique. Et vous allez voir que vous allez faire plusieurs. Enfin qu'on va pouvoir faire plusieurs choses dessus. La porte de Hadamard, elle est marrante. Je c'est un petit peu hardcore. Euh, si on applique euh, adamar de 40 0 on se retrouve avec ce qu'on appelle 4,0. D'accord Si on applique Adamar de 4,1, 1 on se retrouve avec 4 et Vous allez, vous allez voir, vous allez comprendre après. Et ce qui est intéressant, ce qui est marrant entre guillemets, c'est que si on applique deux fois la porte de Adamar sur 40 0 on se retrouve avec 4,0. 0 Mes principes sur euh, 4,1, 1 Donc là, c'est les deux lignes juste après. Je vous ai remis les calculs. On se retrouve avec la quête 1. Donc on, on, dit, on voit que la porte de Adamar au carré c'est égale à la porte d'identité. Voilà, bon, ok, c'est cool, mais <laughs> bref, qu'est-ce que ça a fait Pas de soucis. Euh, alors depuis tout à l'heure, je vous montre un petit peu, parce qu'un qubit, ce n'est pas vraiment que quête 0 ou quête 1. Je ne sais pas si vous avez fait du, du quantique quand vous étiez jeune, j'en connais un devant qui l'a fait. Euh, c'est une sphère de blocs, d'accord Donc c'est une représentation en 3D d'une sphère. Et en gros, là où je vous disais que on avait 4 filles de alpha 4 0 puis bêta 4 1, si on passe en, en coordonnées polaires, on se retrouve avec le truc en dessous. Et en vrai, on peut prendre n'importe quelle valeur sur, ce, sur cette sphère de bloc. Donc ce n'est pas soit 4 0, soit 4 1, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est là où la notion de phase rentre en jeu, puisqu'on peut changer la phase. Donc euh, on peut déplacer le phi sur, sur le schéma. N'importe où sur la, sur, la, sur la sphère. Et là, ça commence à devenir euh, très hardcore. Alors, évidemment, moi j'aime beaucoup les, euh, les images, j'aime beaucoup quand ça, quand ça parle. Donc, j'ai trouvé un petit site euh, qui vous montre un petit peu euh, comment ça fonctionne. Donc, là, vous avez une sphère de blocs. Donc, là, aujourd'hui, la flèche elle est vers le haut, donc ça veut dire que euh, le quantique est représenté par, euh, par 4.0. Okay donc là c'est quête 0, je le mets en quête 0. Si je clique à droite la quête 1, je le mets à quête 1. Okay donc je le mets en bas. Donc là on va le remettre en haut. Et euh, à droite, là, vous avez toutes les portes que vous pouvez appliquer. Je n'en ai parlé que deux ou trois, hein. il y en a beaucoup plus en fait. La première, c'est euh, la porte donc, poly X, donc c'est la porte non. Donc si je vous applique la porte non sur quête 0, on se retrouve avec quête 1. D'accord Si je réapplique la porte non sur quête 1, on se retrouve avec quête 0. OK euh, et en dessous, vous avez la porte de Hadamard, donc le petit H ici, où si je l'applique, si vous regardez bien à gauche, la probabilité de 4,0, d'un seul coup, paf, elle se retrouve à 50-50. D'accord Et euh, donc, euh, je vous ai dit, un Hadamard de 4,0, ça fait 4, parce qu'on a changé de phase, on est, on est à X. Okay voilà. Tout ça pour en dire tout ça. C'est cool, euh, pas de soucis. Euh, je vais mettre en full screen, voilà. Euh, mais il existe d'autres portes, puisque maintenant on peut manipuler la phase, donc on va jouer avec la phase, et il y a des portes poly-Y, qui qui, voilà, qui, avec des imaginaires, qui peuvent s'amuser à faire des choses comme moins "-i bêta de ket0 plus i alpha de ket1". On peut faire du poly-Z qui est égal à alpha ket0 moins beta ket1, etc. etc., etc. Euh, encore une fois, comme le classique, on a des portes et ou euh, non et non ou avec des tableaux de vérité. Et ben là, avec les portes X, poly X, poly, y, poly Z, d'ailleurs on a des équations mathématiques qui sont largement plus compliquées que 2 puissance 0 plus 2 puissance 1, etc. etc. Et ça a été prouvé mathématiquement aujourd'hui que toutes ces portes-là peuvent manipuler des qubits. Okay euh, et du coup, si je vous remontre derrière maintenant ce qu'on peut faire avec les portes X et Y, euh, sur la porte Y, normalement, si je me rappelle bien, voilà, on flippe. Euh, de 40 0 en quête 1, mais si vous regardez en bas, la phase passe de 0 à pi sur 2, okay Et sur Z, normalement sur 40, 0, ça fait rien si je clique. Par contre, si je le mets en quête 1, la phase en bas va passer de 0 à pi et de pi à 0. D'accord Donc on peut jouer avec les, euh, les trucs. Et il y a des, des portes qui font des, des, des trucs chelous. On peut se déplacer, euh, voilà, avec la probabilité qui bouge. Enfin, pff, je, 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 je suis pas encore arrivé à ce niveau-là, mais Peut-être un jour, j'y arriverai à comprendre. <coughs> Évidemment, on peut manipuler plus qu'un qubit. Donc là, on est vraiment sur un qubit. On peut s'amuser à faire des portes avec deux qubits. Donc vous avez un qubit en haut et un qubit en bas. Le principe, c'est quoi C'est que le qubit en bas va contrôler le qubit de haut. Donc si le qubit du bas est à 40, ça ne va rien faire sur le qubit du haut. Si le qubit du bas est à quête 1, ça va changer de, le, la, le, bit, le qubit de quête 0 à quête 1. En... Okay Donc on peut commencer à contrôler des choses. Euh, on peut faire une porte euh, contrôle non, qui sont en vrai euh, bah, deux portes de Hadamard avec un contrôle euh, X. Euh, non, c'était quoi avant euh, si je, voilà, Avec un contrôle X et deux portes de Hadamard, qui fait qu'en fait on a inversé le contrôle. En fait, le contrôle devient maintenant euh, le qubit du haut, versus le qubit du bas. Ok Je vous ai dit, c'était après, après, on va boire, ça va, être, ça va être cool. Même principe, on peut faire sur les contrôles Y. Hein, on peut faire un bit flip, face flip par rapport à Y. On peut faire du contrôle Z, donc avec des portes comme ça, avec des matrices à côté. On peut swapper deux qubits, d'accord C'est ce qu'on appelle une porte swap. Donc qubit 0, qubit 1, on va les swapper, euh, donc on va interagir avec le champ. Cool, super. Euh, il nous manque quoi maintenant On a des portes logiques, on a des qubits, euh, il nous manque des registres quantiques. Euh, en gros, les registres quantiques, ça va être euh, des systèmes quantiques à n qubits. Donc plus on a de qubits, plus on peut avoir des registres euh, qui, sont, qui sont importants. Le gros avantage des qubits, c'est que ça ne stocke pas la, la valeur, mais ça stocke toutes les valeurs possibles en 2 puissance n. Je reprends, si vous avez 2 bits ça peut stocker 2 puissance 2 valeurs, donc 0, 1, 2 et 3. Si vous avez 2 euh, si qubits, ça peut stocker toutes les possibilités 2 puissance 2, donc euh, 4 possibilités, Donc du coup on peut stocker toutes les valeurs possibles, et vous avez les calculs ici, donc 1,5 de ket de 0, 0, moins 0, 1, plus 1, 0, plus 1. Donc là on voit que c'est plutôt exponentiel, donc plus on a de qubits, plus on peut faire des calculs vachement poussés, Là où euh, en classique on était sur du linéaire, donc plus on a de bits, plus ça, euh, on stocke des valeurs. Donc du coup on commence à voir et on commence à comprendre que bah, plus on a de qubits, plus on peut stocker des gros gros, euh, des grosses grosses valeurs, en tout cas des possibilités de valeurs. Et donc du coup c'est vachement important. Un truc qui est intéressant aussi avec euh, les intrications de deux qubits, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle les états de Bell. Euh, donc ils sont l'intrication de, de deux qubits. La représentation, c'est porte de Hadamard avec un contrôle X. Et donc là, on a mathématiquement 400 0, plus 4, 1, 1 sur racine de 2. Ce qui fait qu'on peut avoir des choses ultra intéressantes mathématiquement. Voilà, on peut faire des états de Bell, on peut faire des choses comme ça. Euh, on peut stocker des valeurs. Et on a euh, 4 de phi plus, 4 de phi moins, 4 de psi plus, 4 de psi moins, avec des calculs mathématiques. Bref, c'est intéressant. Et on peut faire aussi ce qu'on appelle des téléportations quantiques, où on peut euh, transmettre de l'information sans transmettre le système. Donc on peut transmettre de l'information d'un système à un autre sans transmettre le système complet. Donc là, vous avez une représentation d'un circuit de téléportation quantique. Le petit truc avec le, la flèche, là, c'est juste la mesure. Okay en quantique, vous ne connaissez pas l'état, enfin vous ne connaissez pas la valeur d'un système tant que vous ne la mesurez pas. Par contre, une fois qu'elle est mesurée, la valeur, elle est fixée. D'accord C'est le chat de Schrodinger, euh, soit vivant soit mort, tant que vous ne le regardez pas dans la boîte, vous ne savez pas. Là c'est pareil. En vrai, en quantique, si je vous parle de fonctions d'onde qui collapse quand on fait une mesure, je, je, déjà que j'ai perdu tout le monde, là je pense que je perds tout le monde aussi. Euh, bref, on a des portes logiques, on a des circuits logiques, on commence à avoir des circuits quantiques, où là on peut, on peut avoir des représentations de choses. Alors ce qui est ultra drôle entre guillemets, c'est que euh, vous voyez que là vous avez un registre quantique de 5 qubits tout à gauche. Et le schéma se lit de gauche à droite. d'accord Donc le schéma est lisible entre guillemets. Et vous avez à la fin euh, la, la représentation de tous les qubits. Euh, voilà, c'est super intéressant. Euh, mais vous allez me dire, ok Laurent, c'est cool, depuis tout à l'heure je ne comprends rien. Euh, on parle de qubits, tu me parles de, de Facebook, etc. Le truc le plus compréhensible que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est la génération de nombres aléatoires. Vous savez aujourd'hui que euh, dans nos CPU nos CPU étant prévisibles, on a des nombres pseudo-aléatoires, c'est-à-dire qu'ils sont initialisés au départ par euh, un seed, et le seed il euh, y a de la randomness, mais si on est capable d'avoir le seed et la randomness, on est capable d'avoir euh, l'état euh, futur de tous, les, de, de, de tous les nombres aléatoires d'un CPU. Et il y a eu plein d'attaques là-dessus, il hein, n'y a, 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 a aucun problème là-dessus. C'est pour ça qu'on essaye de générer du bruit le plus possible. Par définition, puisque le quantique, c'est aléatoire, euh, la chose la plus simple qu'on peut avoir, c'est un générateur de nombres réellement aléatoires. Et maintenant que vous savez lire ce schéma-là, qui est assez simple à comprendre, euh, vous avez 5 qubits, vous faites une porte de Hadamard sur les 5 qubits, vous avez 50% de, ch de chances d'avoir soit quête 0, soit quête 1, vous les mesurez, et à la fin, sur, euh, sur le C5, vous avez un nombre réellement aléatoire. Parce que vous avez fait la mesure 50% 0, 50% de 1, euh, ça fonctionne très bien. Ça a été annoncé il y a peut-être deux semaines, euh, mais c'est ce que fait aujourd'hui OVH quand ils veulent générer des nombres aléatoires sur leur certificat numérique. Donc, quand vous commandez un certificat chez euh, chez OVH (TLS), aujourd'hui, ils ont une implication quantique de la génération de nombres aléatoires qui va générer un certificat et votre certificat est réellement euh, unbreakable en anglais, inviolable. Parce que vous n'avez pas les seeds, etc. C'est l'exemple le plus concret que j'ai trouvé, le plus simple à comprendre. C'est assez simple à comprendre quand même. Mais euh, vous allez voir que juste après, ça va, être, ça va repartir en sucette. Voilà. On a des qubits, on a des portes logiques, on a des circuits quantiques. Maintenant, on va s'intéresser aux algorithmes. Même principe que sur un CPU. Si vous n'avez pas d'algorithme CPU, si vous n'avez pas d'algorithme RSA ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas faire de chiffrement et vous ne pouvez pas vous amuser à euh, implémenter des choses. Ça va être pareil sur, euh, sur le quantique. Et deuxième chose qu'on fait aujourd'hui sur le quantique, c'est qu'on est vraiment sur la recherche d'algorithmes qui soient pertinents. Je crois qu'aujourd'hui, on a une vingtaine ou une trentaine d'algorithmes qui, euh, qui ont été prouvés, enfin qui, qui fonctionnent. L'un des premiers algorithmes quantiques qui a été annoncé dans les fin des années 90, c'est euh, l'algorithme de Deutsch-Jozsa. -ja, euh, qui euh, montre que aujourd'hui, euh, le principe c'est quoi C'est savoir si une fonction elle est soit constante, soit équilibrée. Constante, ça veut dire qu'elle sort tout le temps soit 0 soit 1. Et équilibrée, c'est qu'elle sort tout le temps 50% de 0, 50% de 1. D'accord dans, dans du classique, si vous voulez évaluer cette fonction-là, bah, vous devez évaluer la moitié de toutes les sorties plus 1, pour être sûr et certain qu'elle est soit équilibrée, soit euh, constante. En quantique, avec ce schéma-là, c'est une seule évaluation. Vous le faites une seule fois et vous êtes sûr que la fonction est soit constante, soit équilibrée. Donc là, vous voyez déjà la rapidité de traitement. Et ça a été prouvé mathématiquement et ça a été implémenté en termes de, de, de circuiterie, avec des portes de Hadamard des registres quantiques et euh, ce qu'on appelle une fonction oracle au milieu qui fait des choses en mode black box. Et euh, à la fin, quand vous mesurez, vous êtes sûr et certain que votre, votre fonction est soit constante, soit équilibrée. Ok, c'est cool. Euh, bref, pas d'implémentation pas, pas, euh, concrète. Du coup, ils ont cherché d'autres algorithmes. Le deuxième, c'est l'algorithme de Grover. Alors, le problème, c'est quoi C'est comment on peut rechercher euh, un ou plusieurs éléments dans n éléments non classés. Alors je travaille dans une entreprise qui fait de la recherche. Je peux vous dire que l'algorithme de Grover, ça nous intéresse fortement, puisque ça, ça, on aurait besoin de 2 puissance n sur 2 euh, itérations plutôt que 2 puissance n euh, recherches en probabiliste. C'est-à-dire qu'on pourrait encore plus accélérer les traitements en termes de recherche. Et donc, même principe, ça a été prouvé mathématiquement avec, avec M. Grover, qui euh, a implémenté ça en, sous forme de quantique où euh, on a prouvé qu'on bah, pouvait faire des recherches beaucoup plus rapidement en quantique qu'en euh, que classique. Et je pense celui que vous avez tous entendu parler, euh, l'algorithme de Shor. Pour ceux qui euh, n'ont pas entendu parler de l'algorithme de Shor, l'algorithme de Shor a prouvé qu'on peut euh, factoriser un nombre en nombre premier beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'en en, en classique. Typiquement, on est capable de factoriser un antinaturel en O log de n puissance 3 au lieu de O log de n. Euh, Je n'ai pas, pas mis en dessous le, le diagramme, mais on est beaucoup plus rapide. Euh, ce qui fait, ce qui fait que quoi Ce qui fait que on peut casser une clé de chiffrement RSA ou euh, d'autres clés cl cl clé, euh, beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, on passe de potentiellement plusieurs minutes à plusieurs heures, bien sûr, plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, et les hackers et les gouvernements absorbent des tonnes et des tonnes et des tonnes de données chiffrées. Et ils attendent qu'on qu soit capable d'implémenter ce genre d'algorithme aujourd'hui en, en physique pour pouvoir déchiffrer des données. Imaginez, imaginez, vous êtes un État, vous êtes les premiers euh, à déchiffrer, à casser, à factoriser un nombre premier, un nombre naturel, en nombre premier. Vous pouvez déchiffrer tout, toutes les conversations de tous vos États euh, entre guillemets ennemis, donc vous pouvez avoir accès à tous les, les, les secrets d'État. Ça, c'est cool, ou pas. Euh, du coup, les gens se sont intéressés, les gens, enfin, euh, les, les ricains, hein, se sont intéressés euh, avec d'autres personnes dans le monde à ce qu'on appelle le, le chiffrement post-quantique. Okay donc, on a essayé de réfléchir à comment on pourrait faire en sorte que ce truc-là ne soit pas euh, cassé. Et, euh, même principe, j'avais lu ça il y a un an ou deux, je m'étais intéressé sur le papier. Euh, C'est quoi C'est euh, On est dans un déplacement, euh, dans un espace à n dimensions, euh, on, est on est parti dans les 12 dimensions d'un vecteur qui se balade x fois, ce qui fait que entre guillemets, même dans le quantique, aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver d'algorithme qui permettait de se balader dans un espace à n dimensions x fois, et donc du coup, ce chiffrement-là, pour l'instant, est résistant à... Euh, quantique Demain, si on trouve un algorithme qui est capable de craquer ce chiffrement post-quantique, on est reparti dans, le, dans créer un nouveau, un nouveau chiffrement. Donc, vous voyez que c'est toujours euh, bah, la, la, la recherche. On fait euh, un chiffrement qui est inviolable. On a des personnes qui trouvent des algorithmes qui, qui peuvent le casser. On en recrée d'autres, etc., etc. Et donc, si ça vous intéresse d'implémenter euh, l'algorithme de Shor. Voilà comment on pourrait l'implémenter sous forme de circuit quantique. La bonne nouvelle, c'est que comme on n'est qu'à 72 qubits, on n'est pas capable aujourd'hui de déchiffrer euh, les, euh, les communications pour l'instant. Je vous ai dit, hein, 10 minutes euh, en termes de quantum error correction, ça veut dire qu'il faudrait moins de 10 minutes pour craquer ça. Et aujourd'hui, on n'a pas, pas encore trouvé. Demain, si on arrive à augmenter le nombre de qubits ou à faire tenir plus longtemps les qubits, là, on est un petit peu embêté. Et pour l'instant, il n'y a pas d'implémentation concrète de l'algorithme de short. Euh, enfin, dans la vraie vie, euh, à quoi ça servirait le quantique euh, Aujourd'hui, c'est le même principe, on est dans la recherche. Bah, typiquement, ça pourrait améliorer absolument tout. Euh, pour ceux qui ont fait de la finance, aujourd'hui, la finance, pour calculer le, le, les, les risques que prennent les, les banques, on fait des simulations de Monte Carlo. Alors, les simulations de Monte Carlo, c'est entre guillemets tirer un nombre de dés. Le plus de fois possible, avoir des, des choses qui s'affichent. Et plus on a des tirages de dés, plus le, le risque qu'on peut calculer euh, est précis. Euh, on, a, on, a, on en a parlé, la hein, décompos décomposition en facteurs premiers. On peut accélérer le repliement des molécules on peut faire de la simulation de repliement de molécules. On peut améliorer les modèles météo, puisqu'on est dans le quantique, on est capable d'accélérer des choses. Bref, euh, j'en ai parlé aussi sur la cryptographie, la génération de nombres aléatoires le décryptage de, de, les de chiffres de clés, euh, on peut littéralement euh, faire euh, absolument tout changer euh, aujourd'hui. Euh, nous, chez Google, on, par exemple, en ce moment, on est sur de la recherche, c'est public, hein, on, a, on a une page web. Au niveau de l'IA, on se pose la question, est-ce que le quantique permettrait d'accélérer l'IA? Alors la réponse pour l'instant est non, puisqu'on n'a pas trouvé d'algorithme qui soit capable quantiquement d'accélérer l'IA. Et on a tellement investi et tellement fait de recherche au niveau classique sur les GPU que nos algorithmes aujourd'hui de l'IA, que ce soit nous, d'autres hein, concurrents, euh, sont optimisés pour les GPU, les TPU ou les CPU. Donc du coup aujourd'hui, l'IA ne pourrait pas être accélérée sur le quantique. Si demain quelqu'un trouve un algorithme encore une fois qui est capable d'accélérer l'IA, eh évidemment on essaierait de l'implémenter et d'accélérer les choses. Euh, alors voilà ce que je voulais vous présenter sur, sur le quantique. Je, je conçois que c'est un petit peu hardcore en termes de, de mathématiques et quoi que ce soit. Euh, tout ça pour vous dire quoi que on est au, aujourd'hui au début de l'informatique quantique. Pardon, je vais y arriver. On a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Euh, typiquement, euh, la correction d'erreurs au, euh, au niveau des, des bits, euh, le nombre de qubits qu'on peut faire multiplier. Euh, je vous ai dit aujourd'hui, je crois que sur 6 chez Google, on est à 72 qubits. Ce qui est déjà pas mal. Euh, mais je pense que plus on en aura, plus ce sera efficace. Et même principe, on recherche encore aujourd'hui des algorithmes qui soient euh, intéressants et qui soient efficaces au niveau des, du quantique. Euh, si ça vous intéresse, regardez la page Wikipédia sur les algorithmes quantiques. Alors vous, avez, vous allez vite rien comprendre parce que c'est vraiment, vraiment très, très hardcore. Mais en tout cas, il y a plein de choses qu'on essaie de résoudre. Et euh, même principe que sur euh, le classique il y a 50 ans. On doit encore rechercher des algorithmes euh, qui soient efficaces. Mais en tout cas, en termes d'amélioration de, 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 de secteur, le, le quantique, aujourd'hui, ça a absolument tous les secteurs. C'est pour ça qu'on a une espèce de, de course aujourd'hui entre tous, les, euh, tous ceux qui implantent le quantique pour avoir le premier QPU le plus performant du monde. Euh, voilà de quoi je voulais vous parler euh, dans cette dernière heure. Il me reste 10 minutes si vous avez des questions, des remarques, des choses. Moi j'ai plein de questions, j'ai plein de réponses. Qui va être le premier à se lancer Sinon je désigne. Personne, c'était clair pour tout le monde. Mais matrices, etc. Non, c'est cool. Ah bah voilà, il y a une question. Merci beaucoup Laurent. J'ai rien compris. Euh, mais du coup c'est quoi l'algorithme pour gagner à l'Euro Million, s'il te plaît Ah alors. Moi, je le garde pour moi parce que j'aimerais bien, bien le gagner. Euh, évidemment, il n'y en a pas pour gagner à l'euro-million. Euh, ça reste des stats. Et des stats, ce n'est pas du quantique. Mais si, si tu veux, on peut essayer de travailler tous les deux sur simplement un algorithme quantique. Euh, et, uh, fun fact, si j'en décide peut-être la question que si quelqu'un se posait. Euh, Aujourd'hui, il y a des euh, frameworks qui existent. Donc, il y a QSKit, je crois. Chez nous, on a CIRQ pour faire de la simulation quantique sur des, des CPU classiques. Et ce qui est intéressant, ce qui est marrant, c'est qu'on a des API Key pour aller taper directement des vrais euh, QPU, des vrais Quantum Process Unit. Donc, on est capable d'aller taper directement du Candela, du Pascal euh, chez nous, chez les, chez les concurrents, pour faire des vrais calculs sur du quantique et du coup euh, avoir les résultats. Non, si, ça, si ça vous intéresse, si vous voulez jouer avec. Donc, euh, si tu veux, s'il met, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être Sinon, je vous libère et je vous laisse aller euh, boire un verre après, euh, après cette. Euh... Bah, du coup, ce n'est pas vraiment une question, mais ça t'a pris combien de temps pour assimiler toutes ces informations en essayant de comprendre la moitié Moi okay. Combien de oui. temps je mis je... Alors, sans rire. Alors, ce niveau-là d'information, où j'en suis vraiment entre guillemets à la base, euh, plus, enfin, j'ai mis une semaine, à raison d'une heure à deux heures par jour. Mais euh, j'ai toujours pas compris euh, ce que ça fait euh, le, le face flip. Je peux compris pourquoi on a. Autant le, 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 le bit flip 4.0, 4.1, j'ai compris. Et après, quand ça part sur les phases, j'ai pas compris. Ok, du coup, alors on a un qubit, on peut déplacer sur la sphère de bloc, pas de souci, mais ça représente quoi Je n'ai pas compris. Euh, comment on passe euh, d'une information classique à une information euh, quantique Donc, typiquement, sur l'algorithme de Shor, comment on rentre un nombre, un nombre dans le, la machine pour en sortir un, un facteur de nombre premier Ça, je m'y suis intéressé tout à l'heure, et c'est juste ultra hardcore, parce qu'il y a quelqu'un qui a prouvé qu'un nombre était décomposable en puissance de 2, euh, de, oui, de puissance 1, de puissance 2, de puissance n, d'accord multipliable sur le nombre de qubits, donc on pouvait mettre des qubits sur des phases, des bits, etc., et compagnie. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, l'algorithme de Shor a prouvé que bah, plus on avait de qubits, plus le résultat était rapide. Pourquoi Parce que euh, tu, tu vas me dire une question que t'anticipe, que j'anticipe peut-être. Comment tu es sûr que quand tu fais le calcul sur les qubits, à la fin, tu as le bon résultat Parce que tu as n qubits, donc il faudrait voir tous les n qubits. Eh bah bien non, parce que l'algorithme de, de Shor dit que quand tu fais de la mesure... De tous les qubits, magiquement, j'ai pas compris, euh, tous les qubits s'effacent sauf le résultat. Et ça, j'ai voulu creuser les maths derrière. J'ai fait, il y a des mecs qui sont trop hardcore pour moi. Ça part de, de exponentielle de i theta de cos pile sur machin, etc. Fois des sommes. Euh, je sais pas si tu as fait des maths poussées mais des suites géométriques avec des. Hein j'ai fait d'accord. Ben, je, je crois le monsieur. Voilà. Euh, mais, mais effectivement, mais je, ce niveau-là, j'ai mis une semaine. Tu vois, c'est pas trop compliqué à comprendre, mais il y a plein de zones de flou aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien essayer de comprendre pour améliorer le truc. Ça m'intéresserait. D'autres questions, peut-être L'intrication quantique, tu peux quantique oui. est utilisée à quel niveau au niveau du processeur euh, Parce que La superposition, on voit bien, ça permet d'augmenter la, la rapidité des calculs, mais oui. l'intrication, c'est. Bah, l'intrication quantique, le principe, c'est quoi C'est d'intriquer deux qubits, ce qui fait que quand tu en mesures un, tous les autres qui sont intriqués, tu n'as pas besoin de les mesurer en gros. La superposition d'état, c'est que tu mets, tu mets dans un état 50% euh, 0, 50% 1. L'intrication quantique, c'est que tu corrèles tous les, euh, tous les, euh, tous les qubits. La téléportation, c'est que tu mets deux systèmes, les deux sont corrélés, donc du coup, tu peux séparer les deux systèmes et transmettre de l'information. Aujourd'hui, euh, si je te parle de choses qu'on sait faire, euh, même en France, c'est des communications quantiques. Euh, on arrive à prouver... Euh, enfin, le quantique, quand tu le mesures, tu fixes un état. D'accord Ça veut dire que si... Tu transmets de l'information sur des qubits qui ont été intriqués entre deux systèmes, par exemple entre la France et l'Allemagne. Okay. Si quelqu'un au milieu fait une attaque man in the middle, donc va, va vouloir lire le qubit, l'Allemagne ou la France va voir que le résultat est fixé, il va dire il y a quelqu'un qui a euh, lu mon truc. Donc l'intrication quantique, il fonctionne aussi entre deux systèmes, en disant euh, mon système est tellement intriqué que si je me transmets l'information de l'un à l'autre... Euh, si le, fil, le restant n'est pas fixé, je suis sûr qu'il n'y a personne qui, qui nous écoute. Si euh, le restant est fixé, je sais qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Donc l'information a été potentiellement, elle est potentiellement fausse ou quoi que ce soit. Ça, donc ça fonctionne comme ça en fait. Et ça aujourd'hui on sait le faire. Mais ce n'est pas, pas de l'informatique. D'accord, ce n'est pas au niveau du processing, donc c'est vraiment la communication et la sécurité. Ouais, est... ouais. Ok, merci. D'autres questions Non Oui Attends. Il reste 3 minutes 30. Après, je, promis, je vous laisse boire. Au niveau du hardware, est-ce que tu as quand même une idée de comment c'est fait Parce qu'on parle d'observation de particules, mais moi, je ne sais pas, par exemple. C'est quoi, observer une particule Observer une particule, enfin, observer. Lire l'information, c'est regarder l'état de la particule. Donc, par exemple, dans un électron, tu vas lire son spin. D'accord En gros, ce qui se passe, c'est que tu vas mettre des électrons dans un, dans un état, 4,0 par exemple tu vas lui injecter des, euh, des micro-ondes, porte de Adamar, donc tu vas mets mettre dans un état 50% 0, 50% de 1. Ça, tant que tu ne le lis pas, ça reste 50-50. Et quand tu vas le lire, donc quand tu vas mesurer le, le moment angulaire de l'électron, là tu vas fixe, fixer son état et donc tu vas lire l'information. Tu parles de ça sur l'électron, mais sur du, du photon, par exemple, sur du, sur du laser, tu vas polariser le laser, ça on sait faire, tu vas changer la polarisation, donc tu vas changer les phases et l'état. Et à la fin, tu vas avoir un lecteur optique qui va regarder l'état le, du photon. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est y a, y a, euh, si de, de, ultra bizarre parce qu'il n'y a, a pas de porte logique euh, avec des transistors qui va modifier les machins. C'est vraiment sur l'état global de la particule. Et euh, en quantique pure et dur, en gros, tu as des fonctions d'ondes. Donc tu as des fonctions qui font que tu as une probabilité d'avoir des choses dans un état. Et dès que tu vas le lire, mathématiquement, tu vas faire ce qu'on appelle un collapse de fonction. Donc tu vas fixer l'état et tu vas lire précisément la valeur. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. En gros, je vais te prendre un, un autre exemple. On a une représentation de, de l'atome ayant x électrons qui gravitent autour. Tu sais, tu as la représentation d'avoir un noyau et des électrons qui tournent autour. Ça, c'est complètement faux. Hein. Ce n'est pas une planète avec des, avec des lunes qui tournent autour on a une probabilité d'état de là où peut être l'électron. Donc si tu regardes une, une vraie repr représentation d'un électron, c'est des, des nuages de probabilité. Donc l'électron peut être n'importe où dans ce nuage-là, en 3D. Et quand tu vas lire la position de l'électron, tu vas dire l'électron est à cet endroit-là, précisément. Sauf qu'à ce moment-là, tu as fixé l'état de l'électron et il ne peut plus être autre part. Et ça, c'est du quantique pur et dur, c'est pas l'informatique quantique, c'est le quantique pur et dur. Le quantique, euh, c'est Feynman qui disait Si tu comprends le quantique, c'est que tu n'as pas compris le quantique. Non. Il euh, y a des mecs qui je pense ils ont fumé je ne sais pas quoi, mais euh, le truc, c'est qu'on a prouvé que ça fonctionnait de ouf. Et le quantique, c'est aujourd'hui le, 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 le domaine de science où on a le plus prouvé que ça fonctionnait. Mais ça reste euh, magique. Euh, Peut-être un jour on comprendra bien. Il reste 30 secondes pour une question Oui. Après, on peut aller boire des verres et je peux parler derrière. Et dans l'Europe, qui c'est la face, auquel groupe, auquel université, c'est la face de, de cette métier, de cette profession qui, qui est là Pardon, là La face, la, Qui est là Les visages. Le visage, qui est le visage ou Qui ah. est le plus. Et référence, le point de référence, de ça Ouais. Et Alors aujourd'hui, euh, que je me trompe pas, franchement je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Je crois que c'est belle, mais je suis pas sûr. Non, c'est euh, bref. On a un, on a un français qui. Ah, et merci Alain Spé. Donc on a Alain Spé qui a prouvé euh, les inégalités de belle donc qui a prouvé des choses. Il a eu le prix Nobel il y a pas longtemps. Euh, en tout cas en France c'est lui qui pour moi fait référence pour tout le monde parce que c'est lui qui communique le plus Alain Spé. Après, il y en a peut-être d'autres. Hein. Tu sais, euh, on dit que Yann Lequin, c'est euh, la, 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 le visage de, de l'IA. Je ne suis pas sûr qu'il soit le seul qui ait travaillé dessus, mais c'est celui qui communique le plus. Voilà. Donc elle a un aspect en France. Il y en a peut-être d'autres dans d'autres. En tout cas, merci à tous. On est 30 secondes en, en plus, mais euh, je vous remercie. Si vous voulez discuter avec moi, après, euh, pas de souci.